Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau petit tuto aujourd'hui où nous allons voir ensemble la technique du jacquard à fil flottant. C'est une technique de jacquard que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps en fait parce que j'avais regardé en fait un documentaire sur le tricot islandais, d'accord? Et dans le tricot islandais, il y a beaucoup de motifs jacquard, d'accord? Et du coup, en fait, je me suis mise à regarder un petit peu des vidéos sur le tricot islandais, voilà. Et je suis tombée sur une vidéo de tricot marqué jacquard fil flottant. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis interrogée et j'ai regardé. Et en fait, c'est une technique de jacquard absolument géniale pour plusieurs raisons. Déjà, parce que ça permet d'avoir un tricot plus chaud. Vraiment, on a un tricot plus chaud, plus épais, parce qu'en fait on emprisonne davantage d'air entre les mailles avec cette technique. C'est également une technique qui est géniale dans le sens où vos fils de vos couleurs que vous utilisez avec cette technique ne s'en mêlent plus. C'est fini les fils qui s'entortillent. Non, 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 avec cette technique-là, c'est fini. Il n'y a plus de fils qui s'entortillent, plus de fils qui s'en mêlent, c'est fabuleux. Et honnêtement, je trouve même que cette technique est plus facile que la technique du jacquard traditionnelle. Le seul inconvénient avec cette technique, c'est qu'il faut qu'entre vos deux couleurs de mailles, il n'y ait pas plus de 5 mailles d'écart. Vous voyez, par exemple, ici, si on prenait ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles d'écart entre deux couleurs, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne pourrait pas utiliser cette technique, d'accord? Il faudrait croiser les fils à un moment donné. Voilà. S'il y a moins de 5 mailles d'écart, par exemple là, on a 3 mailles, 1 maille, 3 mailles, 2 mailles, voilà. Ça s'utilise sans souci, d'accord? Le principe de cette technique, vous avez la couleur de votre fond. Moi, là, actuellement, mon fond, je suis passée à une couleur verte. La couleur de votre fond, le fil qui correspond à la couleur du fond de votre tricot doit être toujours au-dessus, doit toujours passer au-dessus du fil qui correspond à la couleur du dessin, du motif rajouté au-dessus. D'accord? Par exemple ici, la couleur de mon fond c'était rouge et mon dessin bleu. Là, la couleur de mon fond rouge toujours, mais mon dessin jaune. Ici, je suis passée à une couleur de fond vert et à un dessin rouge. D'accord? Donc, je suis en train de faire ces petits cœurs que vous voyez ici. Ah, c'était des petits cœurs que j'avais fait sur la couverture de naissance de ma petite dernière et je suis en train de lui tricoter un tricot où je reprends les motifs de sa couverture de naissance. Je reprends certains motifs. Alors, cette technique, je vais tout de suite vous la montrer. Donc, là, j'arrive à l'endroit où je dois faire une maille en vert, en couleur verte. Donc, je pique ma maille et voyez, je vais bien vous montrer à l'arrière, le fil va passer au-dessus, ici, pour que je tricote ma maille. Là, j'arrive à un endroit où je dois faire des mailles en rouge. J'ai mon fil vert ici et mon fil rouge ici. Le fil rouge passera en dessous. Pardon, en dessous du fil vert, pas au-dessus. Donc je vais faire mes mailles en rouge, que si je ne me trompe pas, je dois en faire 3. 1, 2 et 3. Voilà. Après mes 3 mailles en rouge, je dois faire 2 mailles en vert. Je prends mon fil vert et je le fais passer au-dessus. Donc, je vais piquer ma maille. Hop. Alors, moi, j'ai plus de facilité à tenir mon fil comme ça. Donc, je pique ma maille. Je prends mon fil. Hop. Je prends mon fil vert. J'essaie de tricoter à deux mains pour vous montrer mieux. Donc, je prends mon fil vert et je le fais tac passer au-dessus. C'est pour ça qu'on appelle ça fil flottant. Jacquard à fil flottant parce qu'on voit les fils flotter. Et c'est vraiment, ça a un rendu qui est mais fabuleux, qui est top. On voit même pas les changements de couleur, mais franchement, je trouve ça magique. Donc, j'ai dit que je devais faire 2 mailles
dans la couleur verte. Voilà, j'ai fait mes deux mailles dans ma couleur verte. Ensuite, je dois refaire la couleur rouge et je veille simplement à ce que le croisement de mon fil, le fil rouge qui correspond au motif, passe en dessous pour tricoter ma maille en rouge. Ensuite, la maille suivante se fait en vert. Je passe le fil au-dessus, comme ceci, tac, pour tricoter ma maille verte. Voilà. Je dois tricoter ensuite une maille rouge. Vous voyez, ben là, c'est moi, franchement, je trouve ça hyper pratique. Enfin, moi, j'essaye de m'habituer au tricot à deux mains pour les deux couleurs. Et du coup, comme je suis au tricot à deux mains, ben, le fil vert qui est dans la main droite, il est toujours au-dessus, moi, de façon mécanique. Et le fil rouge est toujours en dessous. Après, voilà, on peut mettre les deux d'un côté et tricoter qu'avec une seule main. Voilà, on peut se dire, ben, moi, non, je préfère tricoter qu'avec une seule main. Et donc, à chaque fois, il faudra simplement faire passer, voilà, faire passer les fils. Là, par exemple, je suis encore, si je ne me trompe pas, sur deux mailles en couleur verte. Je fais passer le fil au-dessus et je tricote mes deux mailles en couleur verte. Moi, je trouve que c'est vraiment plus facile, finalement, que le jacquard classique. Là, je fais passer mon fil rouge en dessous parce que je tricotais avec. Pourquoi ? Parce que dans le jacquard classique, il faut faire des croisements de fils de manière très, très régulière. Et franchement, je trouve que c'est un peu casse-bonbon au bout d'un certain temps. Alors, je dis pas les croisements de fils. Moi, comme j'y étais habituée, c'est vrai que bon, ça, au bout d'un certain temps, j'y arrivais bien. Il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai que là, le jacquard à fil flottant, moi, j'y vois vraiment une facilité. J'y vois un rendu plus épais, plus doux, plus chaud, plus agréable aussi, je trouve. Hein. Voilà, il y a vraiment un côté, les fils flottent. Voilà, les fils sont flottants. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Donc là, on repart, par exemple, sur une maille dans la couleur de mon fond. Donc, le fil passe au-dessus pour la couleur de mon fond. Tac. Puis, je repars sur trois mailles qui correspondent à la couleur du dessin. Moi, j'appelle ça comme ça. Donc, je le passe, il est passé, tac, en dessous. Voilà. C'est vraiment pas si compliqué, c'est juste une petite gymnastique au début dans la tête, de pas oublier que le fil du fond passe au-dessus. Je vérifie bien où j'en suis de mon motif, voilà, il passe au-dessus. Et que le fil du motif, tac, passe en dessous. C'est juste une petite gymnastique, voilà, à retenir. Le fil du fond au-dessus, le fil du motif en dessous, et on fait cette petite gymnastique ici, voilà, fil du fond. Moi, j'adore les motifs islandais, franchement, quand je vois les pulls islandais là, quand je vois la laine qu'ils utilisent là, le lopi, ça a l'air waouh, juste waouh. Moi, je suis fan, je trouve ça magnifique, je trouve ça d'une technique tellement fabuleuse. Ils font des pulls magnifiques. Leurs jacquards sont sublimes. Vraiment superbes. Donc voilà, moi j'avais envie de vous partager cette technique que j'ai découverte parce que je la trouve fabuleuse. Et comme vous pouvez le voir, mes fils ne s'en mêlent pas du tout. Je n'ai plus de fils qui s'en mêlent. C'est fini les fils qui s'entortillent et il faut détortiller les pelotes. C'est fini, c'est bon. C'est nickel. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre une photo à la fin quand j'aurai fini cette ligne de jacquard, quand j'aurai fini mes petits cœurs au jacquard. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. À bientôt.